Salut à tous les amis, on se retrouve pour la deuxième partie sur Assassin's Creed Black Flag. Et donc voilà, on est arrêté au moment où il fallait suivre Steve Bonnet dans la ville de La Havane. Donc suivons Steve Bonnet. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réales ils ont volé pour finir là-dedans. Réales. Allez, allez. Hola, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de reales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Vous voyez la présence de chats. Un magnifique tigré. Je tenais encore à remercier ma chérie pour la console. Donc merci ma puce encore une fois. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi. Aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Limite, ça lui fait chier de me prêter des réales. Réales. Donc, j'ai 1300. Je peux m'acheter la rapière espagnole à garde hémisphérique. Oh. Oui. Ah, je suis obligé de m'acheter les sabres britanniques. Donc, bah, ça sera sabre britannique. Combien d'avantages. Et toi, Bonnet? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. Je vous ai égaré, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Dieu, que vous êtes agile! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Donc voilà, notre premier but est d'aller jusqu'en haut du sommet de l'église. Rien de très complexe. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez, arrêtez. Tiens bon. Que dois-je faire? J'en perds le souffle. Je crois que mon cœur s'est arrêté. Je t'attrape. Je te brise les genoux. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. C'est réglé. Grand Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Le bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Oh hé hey, voilà. J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. Tête à grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Et bien voilà, c'est la première fois qu'on se prend un comment. J'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras. Un coup de poing dans le nez. Oh,
Et donc là, bon, bah, c'est un tutoriel de base pour s'entraîner à... se servir des poings. Voilà. Vous n'allez pas partir. On se reverra. Perro inglés. Tornado. Oh putain, lui c'est vrai que lui. Ils sont plus agressifs quand même parce que là ils me foncent quand même dessus, c'est normal. Donc là, mon but c'est d'aller se planquer dans un tas de foin. Yataï! Voilà. Donc là ils me cherchent tous. Oh mais on le trouve pas. Que c'est triste. Voilà. Et donc voilà. Et moi comme je suis quelqu'un de gentil, je mets toujours très bien sur les missions parce que je les trouve toutes très bien. Et donc j'ai réussi ma première mission avec les deux objectifs optionnels. Merde. Aïe. Oh le coup de boule, vol. Donc on va se diriger directement sur la prochaine mission. Non, tu ne m'as pas vu. Eh merde. Donc je vais pas prendre les objectifs, etc. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. J'ai avancé moi sur le jeu et donc on reprendra à ce moment-là. Je pense pas que je reprendrai les objectifs. Les. Ah, enfin, on verra quoi. Après, moi j'aime bien. Puis c'est mes vidéos donc. Donc si j'aime bien, alors tout va bien. Et je dis de la merde. Donc voilà, on revient voir. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Donc nous voilà dans une mission d'infiltration. Nous devons suivre ces gardes. Et mon but c'est de les suivre. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repéré. Reste derrière. Oh, nous devrions peut-être nous séparer pour nous tromper. Ça c'est la meilleure idée de la journée. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Oui, nous sommes désolés. Le capitaine nous a retardés. Et ça, c'est pas sympa. Oui, il est impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à une pendaison. Pendaison. J'adore les pendaisons. Oh, quelle aubaine, monsieur. Quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. Hop, non.
me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. Oui. Suivez-moi. C'est pas grave, c'est pas la première fois. Lo veo directamente. Bon, voilà. Qu'il vole. Donc là mon but c'est toujours de les suivre, bien sûr je suis moins bavard que dans la partie d'avant. Parce que tout simplement je n'ai pas grand chose à dire. J'espère juste qu'on va bientôt voir de la pluie parce que franchement elle est trop bien faite dans ce jeu. C'est même magnifique. Magnifique, vous m'entendez, magnifique. Oh là là, encore un casse-cou. Oh t'es sérieux? Oh Tayo, non je te laisse. Je voulais me battre mais je suis désolé. T'étais trop loin de mes cibles. Là c'est pas une pendaison qu'ils font, là, c'est le tour de la ville. J'aurais dû prendre des katanas parce que... Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendu, il vous versera votre argent. Ouf. J'espère qu'il ne compte pas me payer en reales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Oh, attention. Si, si, nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros... Alors, par contre, faut que je regarde un truc. Le problème, c'est comment on fait pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Engager des dents, je crois distraire les gars. Ah oui, d'accord. Un anglais ? Putain. Caché derrière un arbre. Ça, c'est beau quand même. Barbade, de bonne qualité. Nous l'entreposons au Castillo. Son propriétaire a provoqué une rixe la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Mais je sais pas jusque... suivez le capitaine... Ah oui, d'accord. Bon, ça va, j'ai encore du temps. Je me rappelle plus quel... mission c'était, mais oui, c'est vrai que c'était mission. J'ai beaucoup de temps. Hein. Pardon, messieurs, pardon. Merci, mademoiselle, suivez-moi. Voilà. J'ai réussi l'une de mes missions. Occupez-vous d'eux. Merde non, pas deux. Deux. C'était deux qu'il fallait s'occuper. Quel blaireau. Tant pis. On va démerder sans vous. Mais c'est que tu serais à la limite chiant toi. Voilà.
C'est bon, je t'ai rien fait, oui. Oh, c'est dans ta gueule. Tu fais quoi, toi? Mais. Moi, j'appellerais ça la patate du siècle. Allez, c'est parti. Hop. Oh là. Alors, là, vous êtes où, là? Voilà. Ne prenez pas part au combat. Ok. Donc, ne prenez pas part au combat, ça veut dire en gros, ne vous faites pas repérer. Eh merde. Des fois, je me demande comment ils font pour me repérer. On tourne ta tête là. Hop, on va passer par là. Oh non, non. Il n'y a pas ici. Oh non. Oh non. Eh merde. Ça a pété. Voilà. Je suis mort, c'est ce que... Ah non, je suis même pas mort. Allez, tuez-moi. Je vais mourir. S'il vous plaît, tuez-moi. Oh. Oui, donc comme je vous l'avais dit, si jamais je ne réussis pas la mission avec les objectifs annexes, je recommencerai. Ré, tu verbe, rêtre. Je ré, tu ré, il ré. Oh, pourquoi je passe par eux aussi? Oh là 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 là. Vous auriez pas pu me dire que c'était du mauvais côté. Bon, en fait, c'est pas du mauvais côté. C'est juste qu'à un endroit où c'est plus facile d'accès. Hop. Pouf. Ce que j'ai bien aimé, c'est dans la première partie que j'ai fait, ce fort-là, je l'ai vidé totalement. Il n'y avait plus personne. Je suis même pas sûr de me faire repérer en plus quand je l'ai fait. Donc... Donc il y a quand même du monde, comme vous pouvez le voir. Nous ne sommes pas seuls. Faut que j'arrive à me filer derrière eux. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Une mince affaire. Quelqu'un regarde vers moi. Non, non. Mais tu vas me pécho. Barre-toi, toi. S'il te plaît, barre-toi avant que l'autre se retourne. À toi.
ne me vois plus. Non, ne me vois plus. Zut. Fiez-vous. Fiez-vous. C'est un autre coup du fort. C'est bon, j'ai juste tué. Je vais pour faire une montagne. Oh merde, il est dessus. Oh, bon, ben voilà, bug. Vol. Vous voyez un peu l'homme que c'est, voilà, il n'a pas pris dessus, il n'a même pas cherché à faire plaisir à son ami, à son censé être ami. Donc bon, vous voyez un peu le personnage. Voilà. J'espère malgré tout avoir réussi ma mission. Vu qu'il ne m'aurait rien dit. On verra bien. En tout cas, j'espère qu'ils vont me le dire avant la fin quand même. Parce que... Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu ! Quelle aventure ce serait ! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Fiche de moi. Hein. Ils ne me l'ont pas dit. Bon, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que dans mon autre partie, je l'ai fait sans me faire repérer. Donc bon, on va dire que ça coïncide. De toute façon, c'est mon autre partie qui gérera. Et je n'ai pas fait beaucoup de missions, j'ai dû en faire 3-4, donc. Pas de plus que celle-là, je parle. Désolé, danseuse. Donc bon, on verra ça à la prochaine. Moi, j'avoue, je vais tricher un peu, mais bon, c'est vrai que ça servirait un peu à rien de que je fasse tout à 100% ici. Sachant que j'ai déjà fait, et puis que mon vrai compte, c'est l'autre. Donc, voilà, voilà, je cherche un peu des excuses. Alors, du coup, là, on va aller au truc du gouverneur, et je crois qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Une belle petite mission qu'on a fait là, et assez grande. Quoi. Donc on va aller devant chez le gouverneur. Et voilà, la maison du gouverneur. Le manoir du gouverneur.
Donc voilà. Nous voici au manoir du gouvernement. Et c'est tout les amis, je vous dis à plus. Bonne journée ou bonne nuit si vous la regardez pendant la nuit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah voilà, c'est déjà bien. Donc ben, oh attendez, je vais essayer un truc avant de partir. Oh pardon, désolé. Je peux prendre ton balai? Eh ben non, on peut pas prendre les balais. Désolé Fred, on peut pas prendre les balais. Donc voilà les amis. Eh bien re à tous les amis. Donc après vérification, j'ai vu qu'en réalité je l'avais pas terminé à 100% la mission sur mon autre compte. Du coup me voici sur mon autre compte et j'ai pour but de la faire sans me faire opérer. Donc là je suis un peu je suis pas en direct. J'ai enregistré cette vidéo là juste après avoir fait l'autre pour vérifier que je l'avais terminé. Sauf que quand j'ai vu que je l'avais pas terminé, du coup je me suis mis en tête de le terminer. Je vais pas commencer à prendre du retard dans les vidéos. Donc nous voici à la mission où il faut pas se faire opérer. Donc là j'ai repris à partir du fort, je vous ai passé le début de la mission. Moi j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 40 minutes. Donc voilà un peu comment je m'y suis pas. D'abord j'ai attendu le gars qui vient par ici. Voilà. Et il faut savoir que j'ai recommencé 3-4 fois parce qu'en fait je me suis fait avoir. À chaque fois il y en a un qui me voyait quand je montais là et que je marchais. Du coup là je suis redescendu. Là j'ai dit mais si j'essayais autre chose. Alors là je regardais, voyons. Donc j'ai dit je vais essayer de passer sur lui. Et directement, comme ça, je vais attendre que l'autre se barre. Et je vais passer dessus directement. Là au début je voulais essayer de corriger mais je rêvais pas. Donc, là il s'est barré, là je cours. Ouais, il y a eu un petit bug mais bon on s'en fout. Et voilà je cours à la mission et c'est terminé. Donc j'ai passé la cinématique bien évidemment, ça sert à rien que je vous la relaisse une deuxième fois. Et une fois passé, j'ai couru, j'ai sauté dans l'eau. Et voilà. À la fin du coup j'ai rejoint le bateau de Steve Bonnet. C'est un nom bizarre, hein. Steve Bonnet. Enfin, bref. Et donc j'étais validé à la mission. Et donc je m'excuse encore d'avoir trouvé une excuse. Je pensais l'avoir fait. Et il se trouve que non. Donc, voici la vidéo où je le réussis. Et oui, comme je vous disais, je me suis fait avoir plusieurs fois et j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai à 2-3 fois. A chaque fois, je me faisais avoir de la même manière. Mais bon, j'ai réussi à la fin et voici le résultat. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, cette fois-ci, on peut pas passer la cinématique. La cinématique de base, de début, et de fin, on peut pas les passer. Voilà, enfin. C'est bizarre. Mais... Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Le derrière, il a chaud. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Libéré. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon dieu, quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite. Le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Et voilà. À 100%, c'est terminé. C'est beau, c'est bon duel. Et on se dit au revoir, les gars. Salut!